Alors, je vais vous proposer de commencer par une première question. Quelles sont les missions et le positionnement de l'équipe Big Data chez AXA France et chez AID? Alors, chez AID, nous avons la particularité d'avoir plusieurs faces, à la fois sur du Big Data en termes d'outils industrialisés. Nous avons une start-up interne, puisque nous développons depuis 2013 un outil qui s'appelle DataKili pour analyser et actionner les parcours clients. Par ailleurs, nous avons des équipes en mission chez les clients, donc dans les équipes data science, innovation, big data. Et on a donc des équipes qui sont composées de développeurs, de data scientists, de data miners et en interne de gestionnaires des infrastructures y compris. Et des consultants aussi. Alors moi, je vais plutôt vous poser une question. Dans la salle, là, qui se destine à être data scientist? Et qui se destine à être data engineer? Alors voilà, je vais vous expliquer. En fait, chez AXA, dans mon équipe, j'avais commencé par recruter des data scientists. Et j'en ai recruté 4, 5. Et je me suis vite, très très vite rendu compte que finalement, sans data engineer, on ne fait pas grand-chose. Et aujourd'hui, j'ai une proportion de 4 data scientists et 12 data engineers dans l'équipe, donc quasiment 3 fois plus. Et finalement, c'est un peu l'objet aussi de cette conférence, c'est d'expliquer que pour faire un projet Big Data, il y a effectivement l'exploration de la data avec les data scientists, mais derrière, si on veut passer de l'idée du POC, de l'exploitation à l'industrialisation, au projet en production, il faut des data engineers, il faut des chefs de projet, il faut des architectes. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour la plupart d'entre vous qui êtes à un stade, on va dire, débutant dans votre carrière, c'est aussi une voie qu'il faut explorer ou à laquelle il faut penser, c'est l'engineering. Oui, pour compléter ce que disait Arlène, les produits qui viennent se positionner en dessus des outils de type Data Lake, donc ils utilisent tout ce qui est Big Data. C'est aujourd'hui des outils qui nécessitent effectivement d'autres compétences de la partie data scientist, pour autant qui vont se baser sur des technologies big data, de stockage big data, mais qui vont fournir soit du reporting, soit des outils de data mining, soit des outils de data visualisation. Donc effectivement, la partie data scientist est une petite partie de tout l'environnement big data, mais on se rend compte qu'en termes de métier, en termes de positionnement, on a beaucoup d'autres fonctions qui sont nécessaires pour la réalisation d'un projet de bout en bout sur des technos et en utilisant des technos ou des données de type Big Data. Après, je voulais aussi expliquer que dans cette équipe Big Data, on est très orienté projet. Donc, c'est une équipe centralisée qui travaille pour les différents métiers qui composent AXA France. Donc, les métiers de l'assurance de personnes, de l'assurance matérielle, de l'assurance collective. Et cette équipe fait les projets de A à Z. Ça veut dire qu'on va aller du brief, c'est-à-dire on va aller voir le métier et comprendre leur problématique. On va essayer de la retranscrire sous forme de données. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait vous aider avec des données? Et on va partir sur la phase d'exploration et ensuite, derrière, essayer d'apporter petit à petit de la valeur ajoutée en fait, au métier sur la compréhension de leur business et des réponses à leurs problématiques, de la modélisation s'il le faut. Et derrière, si jamais on rentre dans une phase pilote et que cette phase de pilote s'avère concluante, on pense tout de suite à se dire comment est-ce qu'on peut industrialiser cela et faire en sorte d'impacter finalement l'utilisateur final, le client, le distributeur. Et donc c'est vraiment une chaîne complète qui va de la donnée en entrée, sa transformation, la modélisation, les outputs, et ensuite tous les outils front digitaux qu'on met à disposition des utilisateurs finaux sur une application mobile, sur un espace client, sur un poste de travail de quelqu'un, d'un distributeur par exemple. Je voulais juste ajouter, en tant que prestataire de service, l'intérêt de démarrer sa carrière ou d'y faire un passage, c'est d'avoir à la fois une vue sur différents types de projets,
des projets plus ou moins longs, ponctuels, qui sont internalisés chez nous, où les clients nous envoient leurs données et où on met en œuvre toutes les compétences nécessaires pour les mener à bien. Des missions en clientèle, qui peuvent être de l'ordre de quelques mois à quelques années, où là, du coup, nos data scientists et data managers et data analysts sont immergés dans les équipes des clients. Du coup, on va passer à la prochaine question. Quels outils et technologies utilisez-vous ? Seule utilisation du cloud, le privé ou l'hybride ? Alors, moi, je vais avoir deux réponses. Une réponse pour notre start-up interne qui construit et maintient l'outil DataKili. Donc là, on a une équipe qui est une vraie équipe de développement avec un PO, un PM, un lead dev, des développeurs, des data scientists. Ils sont tous compétents full stack et en fonction de leurs affinités, ils se dirigent plutôt sur le front, le back, le DevOps, le fonctionnel ou la R&D sur les futures fonctionnalités. Et puis, pour les gros projets clients, on a évidemment des équipes de développeurs en environnement SGBDR traditionnel. Il ne faut pas oublier, hein, ça existe toujours. Des data miners. Et puis, on a développé pas mal des compétences en analyse de données non structurées, en particulier avec des développeurs linguistes. Et on a staffé aussi, depuis l'année dernière, une practice transverse de consultants et chefs de projet, ce qui fait qu'on est capable à la fois en clientèle et sur des très gros projets externalisés de gérer l'infrastructure, la gestion du projet avec les métiers, le change management avec l'entreprise. Et pour exemple, alors c'est pas du big data au sens Hadoop du terme, mais on a développé l'année dernière toute l'infrastructure derrière Blocktel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la liste d'opposition au démarchage téléphonique dans un groupement de 4 sociétés. Et en 3 mois, on a mis en place avec l'ensemble des compétences développement, gestion de projet, etc., le nécessaire pour que le jour J, à l'annonce du JT à midi de l'ouverture de la liste, l'infrastructure soit capable d'accueillir plus d'un million d'inscriptions dans la première minute. Alors, Chaque sa France, le cœur en fait de notre dispositif, c'est le Data Lake. Donc celui-là, il est construit sur une plateforme Hadoop avec une distribution Cloudera. On a 2 environnements, un environnement exploratoire et un environnement en production avec beaucoup de nœuds de calcul. Donc c'est vraiment une plateforme interne. On a choisi de mettre nos données en interne pour des problématiques de confidentialité de données et de risque de fuite de données. On avait le choix entre le cloud ou l'interne. On a plutôt choisi l'interne. On a quand même beaucoup de données qui sont très sensibles dans le domaine de l'assurance. Ensuite, l'équipe travaille majoritairement, c'est un choix que l'on a fait dès le début, en PySpark. Donc là, c'est vraiment... l'idée, c'était de... On aurait pu travailler sur différentes technos et différents langages. On a voulu aligner à peu près l'ensemble de l'équipe sur ces technos-là pour faire en sorte, demain, de pouvoir avoir une maîtrise de l'ensemble de notre cycle de production. Et dès lors qu'on recrute quelqu'un de nouveau, finalement, qu'ils ne mettent pas 50 ans finalement à s'adapter à la façon dont travaille l'équipe. Donc on a vraiment choisi d'aligner les gens sur une même techno, sur la transfo de la donnée. Après, bien sûr, on utilise des technologies type Elasticsearch, MongoDB, et également du R et du Python standard pour tout ce qui est en phase exploratoire, mais vraiment sur tout ce qui est industrialisation, PySpark. Oui, en termes d'outils de business intelligence, en fait, on va avoir plusieurs outils selon les types d'usage. On a un panel d'outils aujourd'hui qui permet de couvrir les différents use cases. Des outils qui vont aller depuis des éditeurs type Microsoft, qui vont fournir du reporting, qui vont fournir de la capacité d'analyse de Kubelap, ou des outils qui vont pouvoir se connecter directement sur le Data Lake, notamment des outils comme TIBCO, ou des outils plus destinés aux actuaires, type SAS ou son équivalent sur WPS. Donc, différents outils qui correspondent à différents use cases, qui sont aujourd'hui hébergés on-premise,
effectivement pour des questions de sécurité et autres. Mais on voit que maintenant, de plus en plus, il y a une certaine maturité au niveau du cloud, des clouds publics éditeurs. Donc on est en train d'étudier une migration progressive de nos outils vers du cloud public dans un environnement sécurisé AXA, donc réservé AXA, mais sur du cloud public. Voilà, c'est la tendance qu'on observe aujourd'hui globalement sur le groupe et notamment sur la partie business intelligence. En termes de nombre d'environnements, de serveurs, etc., c'est des infrastructures qui sont assez lourdes. Typiquement sur la partie de reporting automatique, on est sur un environnement à 70 serveurs, donc des choses quand même qui sont assez conséquentes pour pouvoir fournir le reporting à toutes les entités du groupe. Ouais. Donc, du coup, je complète ma réponse sur le côté outils. Alors, en tant que prestataire de service, on a des compétences sur un nombre d'outils assez important et on continue à développer les compétences sur les outils nouveaux. Si je vous parle de Datakili, notre plateforme, notre outil SaaS interne, on le maintient sur une plateforme entièrement open source. A priori sans distribution, c'est du Hadoop, du Cassandra, du Kafka, du Storm. On va peut-être passer à Kafka Streaming. Et évidemment, toute la panoplie d'outils, je rebondis sur le côté industrialisation, qui permet de faire du DevOps et de l'intégration continue. Quand nos collaborateurs sont en mission chez les clients, là, les situations sont extrêmement variables. Ils travaillent sur les data lakes de nos clients, les analystes et data scientists travaillent le plus souvent soit sur un ou des serveurs R, Python, qui sont des bastions à côté du data lake. Donc leur travail va consister à répartir les pré-traitements hyper volumineux et nécessitant de la performance et des gros calculs sur le cluster, jusqu'à rapatrier les données dans un état et un volume suffisamment restreint pour travailler avec leurs outils et leur langage analytique préférés. Donc ça, c'est la première situation. C'est à minimum un serveur équipé d'outils open source ou pas. Hein. Ça peut être Dataiku, ça peut être encore SPSS ou SASMiner, avec parfois des équipements qui vont jusqu'à avoir un serveur, même pour des démarches de data science, un serveur de développement et de test, un serveur de pré-prod, un serveur de production qui sont maintenus par les équipes internes. Et puis on a à l'autre extrémité des collaborateurs dans des équipes de data science qui travaillent exclusivement dans du cloud, comme en général d'ailleurs le cloud d'AWS en forme plateforme as a service, c'est-à-dire entièrement équipée, et qui ont fait ce choix pour la souplesse et l'élasticité sous-jacente. En ce qui nous concerne pour Datakili, nos choix restent pour l'instant de travailler dans un cloud privé en version infrastructure as a service. Donc on est complètement maître de l'installation et des logiciels, hein, et par contre nous utilisons les machines d'un cloud privé en France. À ce niveau-là, je vais vous proposer de poser vous des questions si vous en avez. Si vous en avez, levé la main et je vous passerai le micro, sinon on continue. Et vous nous entendez bien? Levez la main si c'est oui. Ok. Des questions ou on continue? Bon, ben on va continuer. Donc pouvez-vous nous dire comment se passe un projet du POC à l'industrialisation en termes d'étapes et d'intervention des différentes personnes composant votre équipe? Alors, j'avais un petit peu répondu déjà tout à l'heure à la question. Ce que je peux dire, c'est que sur un projet, le premier truc, c'est d'avoir un chef de projet. Ce chef de projet va aller prendre le brief métier. Le brief métier, ça peut être quelque chose du genre « j'aimerais lutter contre la fraude en santé ». Donc ça part de quelque chose de très global. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre de façon un peu plus spécialisée ce qu'on peut faire et comment on peut l'aider. Très bien, on veut lutter contre la fraude en santé, mais dans quel domaine? L'optique, le dentaire, l'hospi, etc.
Donc vraiment, c'est cette démarche de questionnement du chef de projet avec une orientation data pour comprendre ce qu'on veut faire et sur quel spectre. Ensuite, c'est de se dire, bah, finalement, pour répondre à ce problème, qu'est-ce qu'il me faut comme données ? Bah, il me faut les données sur les clients, il me faut les données sur les contrats, il me faut les données de remboursement santé, il me faut des données également, si je l'ai, de fraude avérée dans le passé pour pouvoir faire de l'apprentissage supervisé. Et donc, c'est d'extraire ces données et ensuite de passer à la phase de mise à, de préparation de ces données, donc de jointure, de préparation des datasets. Ensuite, il y a la phase forcément d'exploration et de, on va dire, d'analyse de premier niveau, où on rend des conclusions, voilà ce qu'on voit par le passé, donc la statistique. Derrière, c'est de dire, bon voilà, ce que je vous propose, c'est de faire une modélisation de ce type, mais tout de suite d'avoir en tête, si jamais je crée un modèle, comment est-ce que je vais l'exploiter ? Finalement, je suis en santé, quelqu'un va chez le médecin, il a payé. Est-ce que derrière, je vais pouvoir, a posteriori, lui demander de nous rembourser les 20 euros, finalement, sur lesquels il a triché ? 20 euros, c'est pas beaucoup. Donc, est-ce que ça a du sens, finalement ? Et donc, la question, c'est vraiment de se dire à quel moment je peux essayer de lutter efficacement contre la fraude ? Est-ce que c'est par rapport à des professionnels de santé qui auraient un comportement douteux, mais de façon massive ? Et effectivement, on en a vu. Ou des assurés qui ont un comportement qui a été douteux de façon massive ? La semaine dernière, on a vu une famille avec plus de 13 enfants qui, de 2013 à cette année, donc chaque année, tout le monde allait chez l'opticien se faire faire des lunettes qui avaient toutes exactement le même prix à un mois d'intervalle chaque année. Donc il y en avait pour plus de 17 000 euros de lunettes. Donc là, je veux bien, mais voilà. Et là, quelque part, on peut engager une action parce que là, on est sur quelque chose de massif. Donc dans le projet, il faut vraiment toujours penser à ce qui se passe après. C'est sympa de trouver des choses, mais si ça finit comme un document PowerPoint, c'est pas intéressant. Il faut qu'on puisse finalement l'opérationnaliser et finalement en tirer des gains. Parce que malheureusement, on est quand même dans une entreprise et notre objectif, c'est quand même d'apporter de la valeur ajoutée. Et derrière, bien sûr, toujours dans la phase où on fait l'exploration, il faut le faire de façon à se dire, si jamais je devais industrialiser ce truc-là, est-ce que je pourrais partir en indus rapidement ? Si jamais le data scientist fait son travail dans son coin, en faisant des scripts dans tous les sens, sans penser à l'industrialisation, eh ben on va devoir tout refaire au moment où on veut industrialiser. Donc l'idée, c'est de travailler dès le début du projet avec les data engineers pour faire en sorte derrière de pouvoir industrialiser facilement avec des choses qui sont packagées. Voilà. Oui, donc je rebondis juste sur le côté... Être en POC pour se diriger vers l'industrialisation en termes d'organisation, c'est un triptyque métier, IT et science. C'est pas pour ça que c'est trois personnes différentes hein, sur des petits projets. IT plus science, ça peut être la même. Métier plus science, ça peut être la même aussi. Sur des gros projets, il y aura des personnes complémentaires. Ce que je voulais dire aussi, c'était que avant, enfin voilà, moi ça, je suis pas d'aujourd'hui dans le métier. Hein, quand on parlait d'industrialisation, c'était un peu tout, en tout cas de modèles statistiques, c'était un peu tout le temps la même chose. On créait des modèles sur échantillons d'un côté, et puis au moment de l'industrialiser, soit on avait un bel outil très cher, où en gros le flux pouvait être industrialisé assez sympathiquement, soit on redéveloppait tout en PLSQL dans les data warehouses traditionnels. Maintenant, on est avec la variété des données, la variété des outils qu'on utilise, ça explose complètement. Donc, il n'est pas encore exclu aujourd'hui que de temps en temps, on fasse des POC ou plutôt des maquettes qu'on va jeter, mais on le sait au démarrage, c'est-à-dire que l'un des enjeux, c'est pas toujours d'aller à l'industrialisation, c'est aussi d'être agile et puis d'apporter des preuves de valeur qui, si jamais il n'y a pas assez de valeur, ont coûté le moins cher possible et du coup sont assez facilement jetables. Donc le choix de quelque chose de jetable, il peut parfois être raisonné aussi. C'est pas forcément complètement ahurissant de le faire. Maintenant, quand on est dans des démarches qu'on sait a priori à valeur, on a à mettre en place dans toutes les stacks sur lesquelles on a pas mal de bibliothèques open source ou d'outils complémentaires, on parle beaucoup de pipeline,
Donc quand on va commencer à travailler, on prend le besoin métier, on développe des premiers travaux sur les données, très important des premières visualisations, c'est-à-dire que le PowerPoint c'est à peu près fini, enfin, en dehors de comment expliquer le projet, les tenants et les aboutissants. Dès les phases de premier développement, on se projette dans la visualisation et l'utilisation interactive des résultats. Donc au moment du POC, les équipes de data science sont relativement autonomes. Quand on a des gens qui ont un mix développeur et data mining. Et par contre, je vois, à la fois chez nous dans certains cas et chez nos clients, il y a encore des organisations qui se cherchent pour faire vraiment, comme dans une équipe informatique, de l'intégration continue, parce que tout projet va devoir avoir une vie, en fait. Hein. Même un projet de data science industrialisé, il faut, dès le démarrage, se projeter dans le fait qu'il va falloir le maintenir, et le maintenir pour plusieurs raisons. Parce que les stacks n'arrêtent pas de changer, et quand on a un pipeline qui utilise un bout qui fait du traitement de langage, un bout qui fait de la visualisation interactive en JavaScript, des outils de collecte qui vont devoir aller chercher des données complémentaires si on est dans les réseaux sociaux ou ce genre de choses. L'enjeu d'aujourd'hui, il est, comme vous le disiez d'ailleurs aussi, d'intégrer dans les équipes, alors d'avoir des data engineers, enfin des gens qui poussent aussi les data miners et data scientists à aller vers de l'intégration continue et du coup de la maintenance évolutive facilitée, sans quoi l'échec d'un projet peut ne pas être à l'industrialisation, mais parce qu'on a vraiment énormément de mal à le faire vivre par la suite. Oui, je crois que c'est un point assez important, cet aspect industrialisation, et bien prendre en compte le fait qu'une fois que le projet a été livré, là derrière il va vivre, il va avoir une vie avec des incidents, mais avec des attentes aussi de la part du client en termes de disponibilité, en termes de qualité de service, etc. Et on l'a vu dans certains cas, quand on sous-estime cette partie industrialisation et cette partie fiabilisation du run du projet, de l'application, il y a parfois une déception de la part du client. Donc, in fine, ce que va avoir le client une fois qu'on aura industrialisé, c'est quelque chose qui va sortir régulièrement, des chiffres, des analyses, etc. Et là, le client, il va vouloir que ça sorte à une date T, avec des chiffres qui sont fiables, etc. Donc ça, c'est un point vraiment à prendre en compte, qu'une fois qu'on a fini la partie, on va dire, un petit peu jeu, un petit peu sympa sur la partie POC, et une fois qu'on a livré le projet, le projet, il est en prod, il est live, parfois avec des chiffres qui sont clés pour l'entreprise. Et donc, il faut qu'on puisse garantir les SLA, la dispo des données, etc., etc. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et je voulais revenir sur l'aspect, effectivement, outil qui permet aujourd'hui de visualiser rapidement, et le fait qu'on abandonne PowerPoint au profit d'autres outils. Les outils, maintenant, permettent de plus en plus facilement et de plus en plus rapidement d'avoir accès à la donnée, de venir visualiser la donnée. Et on est même sur des outils qu'on peut laisser dans les mains des utilisateurs finaux. Donc on est sur une approche vraiment très agile, où il y a parfois même des POC qui sont passés directement en production, parce que ce qui avait été développé en mode agile avec le client est parti en production et derrière vit comme un projet, comme une application normale. Donc les outils permettent ça aujourd'hui, et c'est extrêmement bénéfique pour les clients et puis pour les équipes également. Ouais, je vais rajouter quelque chose. Là, chez AXA France, dans l'équipe Big Data, on a 13 applications qui sont en production. Il y en a une qui sert à la tarification des contrats auto à l'échéance. Ça fait 1,8 milliard d'euros par an de rentrée d'argent. Donc je vous laisse imaginer, si cette application tombe en panne le jour où il faut faire la tarification un mois, je pense que voilà, j'aurai un problème. Donc quand on dit qu'il faut que les applications tournent et qu'on ait quelque chose de solide, c'est effectivement très 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 important, et le monde du big data n'était pas forcément préparé à ça. C'est un monde dans lequel des upgrades de version, il y en a quasiment tous les 10 jours. Là, on doit passer en fait d'une version de Cloudera à une autre parce qu'il y avait une problématique de sécurité sur la version précédente. Et donc, pour faire un upgrade de version, quand on a 13 applications en production, vous avez intérêt à avoir mis en place une plateforme d'intégration continue
avec des tests automatisés pour vous assurer que quand vous montez de version, il n'y a pas une des applications qui va tomber, notamment celle-là. Du coup, ça veut dire nous, on a des équipes de gens qui étaient des data miners traditionnels, de gens qui étaient des développeurs traditionnels. Hein, et effectivement, de plus en plus, c'est aussi la définition du data scientist quelque part. Hein, le data scientist, c'est soit un informaticien qui sait ce que c'est que le développement et l'intégration continue et qui se met à faire de la science et du machine learning. Soit c'est un statisticien data miner qui se met à être capable de gérer des pipelines informatiques. Et on est à la recherche à la fois des deux types de profils, parce que selon les projets et selon l'importance de la science ou selon l'importance de la maintenance par la suite, on a besoin de gens qui sont plutôt l'un ou plutôt l'autre. Et la collaboration de ces deux types de profils, même derrière un même nom de data scientist, va faire en sorte que les uns deviennent plus scientifiques et les autres deviennent plus informaticiens et développeurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Et du point de vue des outils, ça veut dire que maintenant, tout le monde apprend à travailler avec Git, à détecter des patterns qu'on va partager, reproduire, à créer des packages... pour assurer, la reproductibilité, le partage, et assurer le fait que dans toutes les expérimentations et les industrialisations suivantes, ça va aller de plus en plus vite. Il n'y a toujours pas de questions ou d'interventions ? Bon, alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter en particulier. On parlait de pilote versus POC, enfin, par rapport au sujet. Moi, je trouve que la question était intéressante en quelques minutes. Notre sujet, c'était du POC à l'industrialisation. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Il y a aussi la notion de pilote. Hein, et il ne faut pas oublier, derrière tous les projets data, le côté informatique et le côté science, qu'il y a aussi des problématiques d'organisation et de changement. Et d'appréhension des résultats et des outils par les métiers. Et moi, je trouve que c'est important de dire un mot là-dessus, c'est-à-dire que qui qu'on soit, on dit qu'un data engineer et plus un data scientist doit avoir des compétences en communication, et c'est effectivement important qu'il y en ait, et que tous ces rôles-là soit porteur d'amour pour la data et de compréhension des résultats qu'on produit pour toute l'entreprise, parce que l'enjeu de demain, c'est que toute entreprise soit résolument data-driven, hein, c'est le Graal qu'on cherche. Et ça fait partie du rôle de tous ceux qui manipulent la data. Ils doivent participer à l'évangélisation et accompagner les métiers qui n'ont pas encore été reformés ni à manipuler, ni à comprendre, à minimum à toucher du doigt certaines choses et à être capable d'exploiter du mieux possible les outils et les résultats qu'on leur fournit. Voilà, c'est un des enjeux auxquels nous devons, en tant que data X, analyste, ingénieur, scientiste, etc., participer activement. Oui, exactement. Je pense qu'il y a... Il y a un sujet autour de l'accompagnement des utilisateurs au changement sur les nouvelles technologies, et j'irais même un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, au sein du groupe AXA, en tout cas, on sent qu'il y a une vraie appétence de plus en plus forte de la part des métiers des utilisateurs pour utiliser plein d'outils, pour accéder rapidement à la donnée, pour faire eux-mêmes les rapports, leurs analyses, etc., etc. Et je pense que le rôle de l'IT, en tout cas, c'est d'accompagner les utilisateurs sur les outils, mais aussi sur la gouvernance de la donnée, les risques, de multiplier le fait de mettre des outils end-user dans les mains de tout le monde, c'est que chacun se fait son propre rapport, mais parfois sans savoir exactement quelle est la donnée, quelle est la signification de la donnée, ou quelle est la vérité de la donnée, et donc d'avoir derrière des analyses qui peuvent être en contradiction les unes avec les autres. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aussi, c'est l'accompagnement des utilisateurs sur l'accès à la donnée et la gouvernance de la donnée. Parce que c'est pas magique, on arrive de toute façon toujours à un moment donné à se dire mais où est ma donnée, comment je la manipule, qu'est-ce qu'elle signifie, etc. Et c'est là que l'IT a une valeur ajoutée. Donc
tout l'enjeu va être de positionner le bon curseur entre quelle liberté je donne aux utilisateurs, quel outil je donne aux utilisateurs, et il y en a de plus en plus, versus qu'est-ce qui doit continuer d'être contrôlé par l'IT et quel est le niveau de service qu'on fournit aux utilisateurs. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau du groupe et sur lesquelles on est très, très attentif et très impliqué. Monsieur, vous aviez une question ? Est-ce qu'il y a collaboration avec des data scientists et l'équipe finance ? Moi, je suis intéressé dans les produits financiers. Alors, oui, il y a des équipes de data scientists qui travaillent dans mon équipe. Il y a un point qui est important aussi, c'est de dire qu'il n'y en a pas que dans une équipe centralisée chez nous. Des data scientists, il y en a également dans chacun des métiers. Donc il y a des data scientists qui sont dans les équipes sinistres, il y a des data scientists qui sont dans les équipes de tarification, dans les équipes actuarielles, il y a des data scientists dans les équipes finances. Et effectivement, on ne veut pas avoir un modèle centralisé uniquement avec une équipe data pool qui est à un endroit et qui travaille pour tout le monde, parce que sinon ça devient un peu le goulot d'étranglement et tout le monde doit passer par là et finalement les gens ne peuvent pas avancer. Il y a des data scientists un peu partout qui travaillent sur les données en collaboration avec nos data engineers pour leur mettre à disposition les informations, les données, etc. et qui peuvent mener leurs propres explorations et leurs propres analyses. Maintenant, est-ce que ce qu'ils font dans les équipes finances, je ne saurais pas dire. Donc il y a beaucoup de choses dans la partie risk management. C'est une des applications majeures d'ailleurs hein, de la data dans l'assurance. Après, il y en a aussi, je pense, dans tout ce qui est toute la partie AXA IM, Investment Manager, mais c'est une partie que je maîtrise beaucoup moins. D'autres questions ? On arrive à la fin du temps imparti pour cette table ronde. Merci beaucoup d'être intervenu. Vous voulez peut-être... Je voulais préciser effectivement que sur le site AXA, si vous voulez aller sur la page de recrutement, donc il y a des offres de stage ou des offres d'emploi qui sont publiées régulièrement. Donc n'hésitez pas à y aller. Je peux également répondre à certaines questions après si vous voulez. 5-10 minutes, il faut que je parte dans pas trop longtemps, mais si vous voulez, on peut discuter. Je vais me diriger vers le stand AID si certains veulent poursuivre la discussion. Merci beaucoup.